certification en tant qu'assistante comptable. C'est sur un an. Le matin, je fais de 8h à 9h30 avant de partir à l'entraînement. Et après, quand je rentre, ça veut dire c'est 13h, 15h, et après, entraînement, et après, on reprend. Si j'ai des problèmes, si je comprends pas un truc, je vais voir Laura, mais bon, elle se souvient pas de tout. Ouais, c'était il y a longtemps, du coup. C'était il y a longtemps. 6000 et quelques. 6250. Donc on ferait 25 000. Depuis qu'on est arrivé en France, qu'on était vraiment toutes les deux, ça a créé ce lien encore plus fort entre nous qui fait que vraiment on n'a pas besoin de parler pour savoir qu'il y a un truc qui ne va pas ou inversement. On sait très bien quand l'autre va bien. On a mûri toutes les deux, chacune de notre côté. Elle a vécu une année à Stella à Paris, moi ici, totalement différent. Donc je pense que comme on a vécu séparément, on a quand même vécu des expériences qui pourraient nous permettre de mieux avancer quoi, cette année. Depuis qu'Orlane est en équipe de France, ça devient vraiment un réel objectif parce qu'Orlane a toujours su ce qu'elle voulait faire. Moi, c'était un peu plus, je ne savais pas trop et tout, mais vraiment, c'est plus un exemple et une motivation d'essayer d'arriver à son niveau pour qu'au final, on se rejoigne en fait dans l'excellence, on va dire. Elle est déjà au top, dirons-nous, équipe de France et tout. Du coup, j'aimerais bien la rejoindre, quoi. C'est vraiment un exemple. Salut Gilles, tu m'entends? Attends, oui, mais... Oh, ah, parfait, voilà. Parfait. Comment tu vas? Ben, ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Écoute, je t'appelle parce que j'ai une compétition, je sais pas si c'est à Vauplo. Oui. Tu vois? Et ben, on va la faire la semaine prochaine. Vous allez le faire, vous, la compétition ou pas? Ah, ouais. Cool, parce que du coup, je vais compter pour vous. Faut m'engager sur 100 crawls et 200 crawls. Ouais, je fais un petit mail en même temps. Ouais. Au niveau du club, ça va, vous avez repris normal là. Il y a tout le monde. On a même rajouté des séances pour essayer de rattraper un petit peu, toi, parce qu'on avait ces séances d'aquaforme, oui. Comme ça, où on avait coupé, on a essayé de rattraper un petit peu ce qu'on faisait. Écoute, on redémarre, personne n'a été touché, malade dans ceux qu'on côtoie, et c'est bien quoi. C'est bien. Ouais. Ça, c'est déjà la première chose et la plus importante, je pense. Donc voilà. D'entraînement toujours nickel. Voilà. Ouais, toujours nous, nickel, le bassin, toujours limite, c'est dans notre petit couloir. C'est... Nous on a vraiment de la chance parce que on est à un par couloir, puis le bassin que pour nous quoi. Donc ouais, ça c'est fait cool. Rêver. Hein. Ouais, ça fait rêver, ouais. Pour moi c'est super important parce que même si je m'entraîne loin et que je suis pas sur le territoire, pour moi c'est des gens qui comptent, c'est des gens qui me soutiennent depuis 15 ans. Moi, je suis licenciée au club depuis que je suis toute petite. Ça fait 15 ans que je suis à haut niveau. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. C'est des gens qui ont suivi mon parcours. C'est des gens qui connaissent mon histoire. J'ai toujours été licenciée à Sarreguemines. Je resterai licenciée à Sarreguemines. Et ça sera mon club de toujours, ouais. C'est sûr. Dessus sur la soeur ce matin. Ouais, c'est... Pop, sur les petits steps. Ouais, j'ai un peu plus réveillé qu'elle, c'est tout. Ah, voilà. Mieux dormi, j'ai vu ce matin. Non, je rigole, je sais pas. On voit de nouvelles têtes, on retrouve les anciennes. Effectivement, ça fait du bien aussi de voir un peu de fraîcheur dans l'équipe. Et toutes les nouvelles qui sont arrivées sont très sympathiques. Et en plus, ça se passe bien. Même si on parle beaucoup anglais en ce moment, mais ça se passe bien quand même. So here, 10 pass égale 1 point, 3 points, you win. When you win, you stay here. If you lost, you come here and we change. 2-1, rouge. Bras, Sarah, bras, Sarah, bras, bras. Allez, Louise, allez, allez. L'annulation totale du Final Four était difficile parce qu'effectivement, on a travaillé avec l'équipe de la saison dernière beaucoup pour ce Final Four, on s'est battu. Et effectivement, ne pas pouvoir jouer les quarts de finale et ne pas prétendre à aller au Final Four, c'est difficile parce qu'on s'est vraiment tout battu et ça aurait été une consécration pour l'équipe l'année dernière avec tous ses départs. Ça aurait vraiment fait un beau truc pour tout le monde, je pense. C'est dommage. Après, on a toute hâte, je pense, de reprendre vraiment. Là, on commence un peu l'handball, on fait un peu de passe, un peu d'enchaînement, mais on a vraiment envie de reprendre vraiment l'handball avec du contact et tout. Ça nous a manqué vraiment. Et la compétition, ça doit arriver dans quelques semaines, j'espère. En tout cas, avec les matchs amicaux, quoi, déjà.
En fait, on avait perdu toutes nos sensations. Donc on avait juste hâte, enfin tous on avait un peu discuté, c'était juste le fait de sauter dans l'eau, de se retrouver en fait dans le milieu, un peu enveloppé par l'eau. Donc on était tous excités pour pouvoir reprendre, ça a duré une semaine et puis après au fur et à mesure on a repris nos sensations, donc c'était plutôt plaisant. Ouais. On a plus axé sur la prépa physique, sur la musculation. Et voilà, donc on fait ça en fait depuis maintenant 2 mois, jusqu'en septembre, pour un peu voilà, éviter de tomber déjà dans une routine et de faire déjà ce qu'on faisait déjà bien avant. Donc c'était comme un plus en fait dans notre saison, en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et reprendre en septembre une dynamique un peu classique jusqu'aux qualifications qui, on l'espère, se déroulera en décembre. Allez, attention. Ne pas faire de compétition en ollie pendant 2 ans, ça risque d'être un peu long. Donc j'ai abordé le sujet avec Fabrice, il a été très ouvert, il a très bien compris que voilà, il sait très bien que mon envie c'est quand même de reperformer en eau libre. Et donc je ne peux pas me permettre de passer 2 ans sans faire d'eau libre. Donc on va réintégrer tout ça dans le planning, dans la saison. Refaire des compétitions d'eau libre, voir comment ça se passe. Mais vraiment l'objectif principal, évidemment, c'est la qualif pour le 1500.